wandering, hungry, and homeless. And here in the warmth of a silent defeat, you gotta be honest with me and be ruthless. Instead of shifting the so let me out, oh let me in. Tell me how long we can win. Cause I really wanna know now before I begin to let you go. Ressemble au prince de la princesse Chatouille. Ouais. Tu veux que je te raconte une histoire? Il était une fois une princesse cinglée. La princesse cinglée, elle était amoureuse d'un prince. Mais lui, il n'aimait que les chevaliers musclés. Ils étaient enfermés tous les deux dans une tour, mais ils s'en foutaient parce qu'ils avaient la trouille de sortir et qu'ils se marraient beaucoup ensemble. Un jour, un chevalier qui passait était attiré par leurs cris et leurs rires. C'est un peu con, les chevaliers. Quand ça voit des gens enfermés, ça pense qu'à les libérer. Alors il est entré. Et il s'est retrouvé enfermé avec eux. Comme le chevalier était paumé de chez paumé, d'abord il a voulu se marier avec le prince. Quel débile. Un prince plus un chevalier, ça peut pas faire de bébé. Et le chevalier en voulait vraiment un. Alors il a essayé de voir si ça marchait avec la princesse. Mais ils ne voulaient pas de bébé. Alors ils se sont mis à faire un peu n'importe quoi dans leur tour, qui a commencé à être de plus en plus bancal, et ils sont devenus très très tristes. Un jour, la princesse s'est rendue compte qu'elle s'était enfermée toute seule dans la tour, que la porte n'avait jamais été fermée, et qu'elle était devenue grande. Alors elle s'est tirée en laissant la porte ouverte pour les autres. Et une fois dehors, elle s'est sentie libre de voler vers de nouvelles aventures. Et voilà l'histoire de ta folle de tante Clara. Tu comprends rien, mais t'es comme moi. Oh, mais c'est la fête ici! Dites-donc, 11h30, si on ouvrait une bouteille de champagne? Ah. Si vous n'allez pas en boîte et que vous pouvez garder Lucie, moi je crois que j'aimerais bien sortir. Mais bien sûr, ma chérie. À l'année prochaine! Non, ça y est, c'est... Oh, non! C'est bien que tu sois là. Alors ça, c'est une très très belle surprise. Vraiment. Bon, allez, viens. Regardez. Eh ben, dis donc, tu vas pas mollo, hein. Non, j'en profite à mort, même si je me sens déjà un petit peu comme une fourgonnette de ramassage scolaire, tu vois. À l'invitée la plus controversée de la soirée, Clara. Bravo, bravo. Etienne, Etienne. Je vais être du poids. Mon amour. Moi, j'ai trinque aux jumeaux. Tchim, tchim. Ouais. Hey. Ça sera peut-être parrain, toi. Ah, hein? Pas. Excusez-moi, je vais... Ça va? Je vois que tu fais toujours dans l'effet de surprise. À fond. J'en suis même un peu victime ces derniers temps. Cathy qui n'est pas là, je voulais m'excuser. Non, laisse tomber. D'ailleurs, je voulais te remercier de ce que t'as fait pour nous. Non, c'est pas vrai, me dis pas que... Je sème le bonheur partout où je passe, que c'est carrément un don. La nouvelle Amélie Poulain, c'est moi. Elle vient de me plaquer. Et d'annuler le mariage sous prétexte que t'as raison. Et... J'ai jamais vraiment réussi à t'oublier. Eh ben, vous en avez des trucs à vous raconter tous les deux, hein. Je t'avais prévenu, hein. Je pensais pas qu'ils oseraient venir chez mon frère, même sans moi. Attends. Bon, Mathieu, je joue à la fille folle, mais là, c'est un peu plus dur que je pensais. Laisse-moi. Salut, ça va? Ça fait plaisir que tu sois venu.
je serai frissonnant.